YouTube. Juste avant de couper la OD précédente, il s'est passé un événement. C'est qu'on a chuté de la 8e à la 23e place mondiale. C'est la décadence. Et alors, est-ce que je vais retrouver le son du premier coup? Mais voilà, mais c'était Non, sûr en raté. fait! C'était sûr! Le malaise est Non, très présent. non plus. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ouais, je sais pas où c'est. C'est là? C'est honteux! Non plus. Ouh là là, c'est la décadence! C'est bon, voilà. Dernière VOD de ce défi brésilien. Le prochain défi sera sur CK3. Et il sera mis en ligne la semaine prochaine, je pense. Je sais pas encore quand précisément. Mais bien sûr, tu es abonné, donc tu sais toutes les sorties. Voilà. Et le défi CK3 sera une surprise. Mais attention, ce sera un défi assez compliqué, pour le coup, à réussir. C'est vraiment pas sûr qu'on y arrive. On fera tout pour, mais c'est pas gagné. En attendant, ce qui n'est pas gagné non plus, c'est l'annexion du Congo, mais on va essayer quand même. Parce qu'il n'y a pas de raison. Allez, on envoie tout le monde, hein, rien à foutre. Hein. Tac. Comme ça, on pourra relier les deux mers. Mais au moins, il n'y a plus de dette, voilà, c'est ça. On sera relié juste par ici. Mais c'est pas grave. Pouette, pouette, pouette. Les reroux, à chaque fois, ils te la mettent à noter les reroux, faut les trouver dès le début de game, sinon c'est la merde. Ouais, c'est vrai qu'avec les USA, il m'est arrivé un peu la même chose. Mais dans d'autres games, c'est pas le cas. En ce moment, je joue une game hors live en Autriche. C'est vraiment pas le cas et ça se passe très très bien. Je suis deuxième puissance mondiale en 1860, pardon. En fait, j'ai attaqué la Prusse direct. Enfin bref, mais donc ouais, non, je sais pas comment je me suis laissé embarquer à donner trop de poids aux ruraux, en fait. Je sais pas qu'est-ce que je fais dans mes. C'est peut-être des lois que je passe rapidement qui donnent du poids aux ruraux. Vous savez, des fois, il y a des, ça permet de buff des groupes et tout. Peut-être que c'est ça. Et je fais pas gaffe à chaque fois. Faudrait que je lise peut-être un peu plus, comme d'habitude sur les jeux Paradox, bien sûr. Pouette, 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 pouette. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a la réplique française? C'est quoi sa guerre? Entre la Belgique? Oh, et l'Angleterre? Oh putain! Oh! La France veut annexer la Belgique. Et du coup, la Belgique, en mesure de rétorsion, veut annexer Alger. Ah, j'aimerais vous aider. Hein. Vas-y, attends, je me mets là. On va voir s'il me propose quelque chose ou pas. Ouais, c'est vrai, Niski, c'est vrai. C'est pas faux, j'ai pas eu cette game avec la Russie. Ce problème avec la Russie. Alors que pourtant, les ruraux, c'est un poids énorme. Kassai est isolé. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, ça va s'arranger bientôt. On va bientôt vous relier, les gars. Oh, les États-Unis qui attaquent les Mayas. Oh là là. Putain, mais ils sont vraiment très conquérants. Oh là là, mais ils ont. Oh, ils ont peut-être Cuba aussi. Oh là là. Ah ouais, ils sont vénères, les Américains. Madagascar, Cuba. Ils ont pas un autre truc ailleurs, non? Non. Bon, le Congo, ça se passe bien. Comme on pouvait s'y attendre, mais ça fait toujours plaisir. Pouette, 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 pouette. Alors qu'un coup d'état fasciste au Nicaragua. Et l'Asie, ça se passe comment? Bah écoute, ça reste relativement stable. Hein. Là, il y a une tentative d'unification de l'Indonésie qui échoue de la part de Kalimantan depuis plusieurs guerres. Le Bukhara n'est toujours pas annexé. La Chine, au final, ils ont assez résisté aux Anglais.
La Corée, par contre, bon, bah, le sud. D'ailleurs, c'est peuplé par qui, là? Ouais, en Corée du Sud, c'est compliqué. Ok. Sinon, le shogunat est toujours actif au Japon. Il se passe rien, en fait. Globalement, en Asie, il se passe pas grand-chose. À terme, faudrait peut-être réduire l'Équateur et le Pérou et la Confédération Pérou-Bolivienne. Bah, ils sont déjà réduits au max. Là, la prochaine étape, c'est de les annexer. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en soi? C'est toujours une possibilité, hein. Ça peut se faire. Oh, putain, oui. Oh, on va cut les Anglais, là. Allez. Mais je préférais... genre attaquer le Rwanda ou le Burundi, tu vois. Putain, c'est 10 pour le Rwanda, au secours. Alors attends, c'est quoi le Tanganyika, c'est où? C'est tout ça? Eh ben, qu'est-ce que je prends autrement? C'est 6,5 le Tanganyika. Eh ben, on va attaquer le Tanganyika, enfin le Karagwe, pour conquérir la région du Tanganyika. Dès qu'on a assez d'infamie, enfin... Assez peu d'infamie en tout cas. Tu sais, Jade, comment vas-tu? Donc la guerre entre la France et l'Angleterre en 1930. C'est spécial. Ça va être compliqué pour la France surtout. Hein. Enfin, France-Belgique surtout, mais... L'Angleterre qui s'est mise dedans. La Russie qui envahit... qui défend en tout cas la Scandinavie contre la révolte prolétarienne. Et une sécession Lunda... Oh, eh ben ça va, je te remercie. On termine cette game là. On est sur la fin avec un Brésil qui malheureusement était 8e jusqu'à il y a peu de temps. Et là, c'est la chute. Hein, le prestige a été divisé par 50%. Ça se sent. Ah oui, administration coloniale, bien vu. Au Congo. Ah ouais, mais non. Pff, alors attends, ça fait quoi? Je vais pas le faire maintenant. Je vais pas le faire maintenant, mais je le ferai avant la fin de la game. Mais dès qu'ils seront reliés, je le ferai. Pour l'instant, j'attends. Oh oui. Oh oui, j'aime ça. C'est bien. On va prendre Fall Station. Attends, je vais me friter contre le Twat. C'est où le Twat, déjà? Je sais plus où c'est. C'est par là, non? Et du coup, comment le Congo est devenu indé? Je comprends pas. Ah, juste, il est plus seigneur protecteur. Il est chancelier, maintenant. D'accord. Il est vraiment dur à prendre en main. J'ai encore du mal avec le niveau de vie et gérer les groupes sociaux. Ouais, c'est pas simple. Et j'avoue, je saurais même pas te donner de conseils qui marchent à chaque fois. Parce que révolution en France... Ouf, révolution bourgeoise. L'empereur Hercule de Caux. Ah, je crois que la France va perdre la guerre contre la Belgique. Hein. Ah, c'était bien parti pour la conquête de la Wallonie pourtant, mais là... compliqué. Quoique. Quoique. S'ils arrivent... Oh, vraiment, c'est pour ça qu'on fait une guerre. Oh, du coup, ça cut mes... Ma colo, là. Non, c'est bon. Mec, les super tutos de Sébasto, j'y arrive pas. Il faut réessayer, réessayer, réessayer. C'est le seul conseil que je peux donner pour le coup sur les paradoxes, c'est n'abandonnez pas. Oui, les jeux peuvent être complets. Je dis pas dit complexe, hein, je dis bien complet. Mais on est quand même pas plus con que les autres. Je me mets dedans, hein, je me mets en mode... je galère encore dessus.
Oh putain. La Grande-Bretagne nous finance. Oui. Oui. Alors que... Putain, mais alors que dans le même temps, on est toujours en train de les payer. En fait, du coup, on leur donne des sous et ils nous en redonnent la moitié à peu près. Puisque là, 186 000. Là, ils me donnent 116 000 et moi, je leur donne 217 000. 256, pardon. Ok, on peut construire. Alors, je sais pas ce qu'on va construire maintenant, mais... Les casernes, pff, non, ça sert à rien. Oh, allez, on va en faire quand même. Ah non, on peut pas, oui, c'est vrai. Vous voyez ce que ça fait, voilà, le niveau des casernes. Ouais, tout à fait, Jail. Tout à fait. Ah, oh, bah la Grande-Bretagne finance plus. Non, mais vous avez vraiment, vous êtes des bâtards en fait. Les mecs me financent une semaine et c'est tout. Du coup, ça me met dans la sauce. Vous êtes chiants. Bah, vraiment, les Anglais, vous êtes chiants. Je commençais à bien vous aimer, là, depuis 30 secondes à peu près. Et bah, ça aura pas duré. Ça m'apprendra. J'ai quand même 17 000 radicaux sur 41 millions d'habitants. Je... C'est pas énorme. Par contre, on construit plus vite. Bon, ça c'est bien. Toujours à faire des coups de Trafalgar les Anglais, c'est clair. On est d'accord. La guerre dans la terre, la tranchée, oui. On s'en fout du Kassai. L'administration coloniale, on a dit qu'on allait le faire quand ce serait relié, et ça le sera bientôt. Regardez, ça s'approche. Je pense que dans moins d'un an, on aura relié nos territoires en Afrique. Alors sauf si les Anglais me font chier ici. Mais normalement, ça devrait aller. En tout cas, le Brésil est officiellement frontalier de l'Égypte. Et ça, c'est beau. Ah, alors que le communisme se dresse contre le régime fantoche américain, bien sûr. Bon, c'est Turner Jennings, certes. Qui est un sudiste qui pourrait diriger Madagascar en cas de victoire. Bon. Ok. On sent que le jeu galère un peu à mouliner par contre. Là, je suis invité 5 et ça passe quand même pas très très vite. On sent qu'on est en late game. Et bonsoir Michel Semoule, comment vas-tu? Le Brésil, le pays avec lequel on a la plus grande frontière exactement grâce à la Guyane. C'est 800 km, je crois. Non, peut-être pas 800. Ouais, quoique. Peut-être, hein. Et re, bambou. Comment ça va en esti? J'essaye. La révolution en Équateur. Oh, ça va. Oui, je souffle. Oui, ça me fait souffler. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Faut juste 256 gigas de RAM. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, en plus, en RAM, je suis bien. Bon, j'ai que 32. Enfin, j'ai 32, mais... Je suis quand même en DDR5, merde.
Bon, la sécession a cessé, c'est sûr. Ouais, non, je sais que c'est pas correct, hein, mais j'avais que ce mot-là qui m'est venu en tête à ce moment-là. Donc voilà. Désolé. Alors, le Kalat soutient le Makran, ok. Ah ouais, donc on n'aura pas d'unification du Pakistan. Bah oui, non, de toute façon, non. L'Inde, là, il y a quand même un monde où même en 47, elle se forme pas. Vu encore la puissance de la Grande-Bretagne. Ah ouais. Non mais, attendez. Je voudrais... Alors, bon, il y a une révolte en Grèce pour le moment. Qui est une Pavlos Fotos, une république, etc. Bon, très bien. Parce que le gouvernement grec actuel, c'est une théocratie orthodoxe, dirigée par un sud-germanique, qui est patriarche, Albert von Wittelsbach. Alors, la famille régnante grecque était certes d'origine allemande, mais quand même, quoi. Alors que la Belgique possède l'Algérie. Enfin, le nord de l'Algérie. Et ouais, en France, c'est la galère. C'est l'empereur, comment il s'appelle? Dupont? Decaux, ouais. C'est pas simple. Bon, allez, on se relie, là. Les Anglais continuent de monter, j'ai l'impression. Ouais, oula, oui, non, oh, non, 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 non. Non, mais colonisez mieux, la LIA, t'es débile ou quoi? LIA est débile. Putain, l'IA est conne. Avance à droite. Oh, ou à gauche, voilà, mais faites mieux. Faites mieux que ça. Là, par contre, je suis magané en esti. Magachon est bon en esti pour animer un stream. Alors, magané, je l'ai pas. Mais merci pour le bon en esti, bien sûr. Pouette, pouette, pouette. Ils ont même pas de dirigeants. Ils se révoltent, ils ont même... Il y a rien, il y a rien. On négocie avec qui, après, nous? On sait pas. Allez, les petits, hein, à gauche, là. Non, pas là, pas ici, c'est con, t'es con. Ah, mais t'es bête. L'IA est bête. Ouais, c'est loose. Ah, quoique, les Anglais colonisent plus. Alors peut-être. Ah oui. Ah mais oui. Ok, on peut avoir un avantage. On peut peut-être avoir un avantage. La Suisse améliore nos relations. Alors, ok. Enfin, vous allez crever. Ok. Je vois. Magané, ok, faut que j'arrive à m'en rappeler. Hein. Essayez. Genre, ça va, pas trop magané aujourd'hui? Ils veulent cacher les millions, oui c'est ça. Il y a toute la dette en fait, tout dans les poches. Pouette, pouette. On a annexé le fascisme en Équateur, chais. Nos Passaran, bien sûr. Putain, donc la France a perdu la guerre contre la Belgique à cause de la révolte. C'est moche quand même. Hein. Ah, il y a aussi un soulèvement de Prusse. Ah ouais. Oh, mais non. Attendez. Putain, la révolte grecque s'est fait écraser. Par Albert von Wittelsbach. Ah, il chantait ça Ah ouais. Super Trump, c'est ça? Non, pas Chalan, comme disent les Basques, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais t'as pas la ref, El Famoso, c'est une blague. Super Trump, rapport à... une trempe, vous voyez?
coller une trempe. C'est parce que... Hein, rapport à son histoire, la Lituanie. Tout ça. Et salut Ptolomeï, comment vas-tu? J'ai plus le nom, mais va voir sur les VOD, dans la description, il y a les... la liste des modes. Non, non, je peux pas. Un prince grec un peu national, c'est il va finir prince consort. Oui, j'avoue. J'avoue. Et là, tu sais pourquoi j'ai la ref? Parce que j'ai regardé The Crown. Mais sinon, je l'aurais pas. Clean map? Ouais, c'est possible. Je sais pas. Alors attends, les nuaires. Les nuaires font se révoltent. Alors. Putain, elle est compliquée à prononcer cette phrase. Faut pas la prononcer trop rapidement. Je précise. C'est leur nom. Voilà. C'est pas un accent, etc. etc. Hein. Le rock français ne s'en est jamais relevé. C'est vrai. On sort que pour les grandes occasions. LOL. Et j'ai encore une sécession afro-caribéenne. Non, mais... Ils sont où mes bateaux, mais c'est bon, ils sont là. Bon, est-ce qu'on va réussir à relier à un moment? On est à moins 20, ok. Enfin, ils sont à moins 20. C'est qui, ça? Les Péruviens. D'accord. Les Péruviens et le Hedjaz qui patrouillent en Atlantique. D'accord. Qui s'est révolté? Ok. Les Afro-Caribéniaux. Ok, mais vous êtes où, en fait? Moi, je veux bien savoir... En Inde occidentale. Oh, je peux pas y accéder. Oh, faut que je débarque, forcément. Elle est pas queen, hein, je crois. Hein. Si? Je déteste cette femme. Camilla. Parker Bowles. J'ai testé monarchie en général, hein, mais elle, tout particulièrement, quoi. Bon, les Andes, ça reprend la colonisation? Pourquoi ça reprend pas? Oh non. Je me fais troller parce qu'il y a la guerre ici? Mais non. Ah non, ça reprend ici. Ah non, mais... Pff. Si, les reines consorts... Oui. Ah, ça c'est une... Voilà, ça c'est une bonne colonisation, les gars. Ça, on aime ça, pendant que eux ils sont ici. Voilà. Salut Jobilout, comment vas-tu? Encore un an de financement des Britanniques. Ah oui, alors là, dans un an, on roule sur l'or, par contre. On sera à 300 000 balles par mois. Malheureusement, le jeu, la game est bientôt terminée. Mais... Oui, allez, quoi. Non, mais faites pas les cons. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Franchement, on peut y arriver, non? On va quand même pas les laisser monter jusqu'ici pour nous cut complètement. Le syndrome du soldat. Ah. On est sur un PTSD. Syndrome de stress post-traumatique, pardon. Ah, c'est l'obusite. Ah putain, oui, c'est vrai, c'est le nom qui était donné après la Première Guerre mondiale. Toc, toc, toc. Donc là, il devient alcoolique. Oui, bah oui. J'ai encore une sécession. Les Gandas. Donc j'imagine que c'est en Ouganda. À peu près. Bon. Ici, il faut qu'on débarque. Voilà. Beaucoup de soulèvements. Hein. Là, voilà. Les SPT, on n'est pas des brises. Oui, c'est vrai, ça. Mais je regarde trop de séries américaines, je pense. États-Uniennes, pardon. Il a donné le titre de Queen pour humilier son papounet qui n'a jamais eu le titre de King. Enfin, c'est vraiment des combats d'infirmes, c'est affligeant.
Allez, t'as vu, je progresse. Hein. Allez, c'est bon, ils sont occupés. Les Gandas vont se révolter derrière. Alors, donc c'est bien ici. Ils sont combien? Zéro. Ok. Ah non, ils sont cinq. Ok. Allez, commande. Révolte en Ibérie. Révolution, pardon, en Ibérie. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que... Il y avait eux. Mais ils sont où? C'est des fascistes. Ah. Ah, ils sont ici. Ils sont à Madère. Bonsoir, Yotchakov, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, je te remercie. Attends, mais quoi? L'élite intellectuelle s'est mise avec le Parti Républicain Conservateur pour les élections? Oh, ils étaient dans l'opposition avant, quoi. Putain, on dirait les Républicains. Aïe, aïe. Oh non, mais ils vont me cut, putain. Oh, j'en peux plus, l'IA, j'en peux plus. Je vais pas pouvoir réussir à... Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Oh, mais vas-y, mais... On peut... Pourquoi l'IA, elle colonise pas de manière, ici, à couper les Anglais, et après on est tranquille? Après, on sera peinard, en fait. Deux, trois petites choses à revoir, paradoxe. Hein. Quand même. Là, vous voyez, on pourrait venir là, par exemple. Comme ça, bim, ça les force à se barrer. Pff, ouais, non, même pas, c'est déjà foutu. C'est déjà foutu. On va déjà pas pouvoir relier nos territoires, parce que là, l'IA va aller ici, j'imagine. Ok. Ah, elle vient juste avant. Ah, peut-être. Au pire, tu fais un échange de territoire avec les Britons. Ouais, ouais, au pire, ouais, ouais, mais bon. Fait chier, quoi. Ah, la Grande-Bretagne finance. Bon, spoiler, ils vont plus financer bientôt. Ah, putain. Oh, attends. Oh. Attends. Financer. Jusqu'à quand? Jusqu'au 10 février. Ok, dans moins de 10 jours. Oh, putain. Regardez, dans 10 jours, regardez l'argent. Regardez la thune. Attends, ça je peux pas le coloniser? Qu'est-ce que... Oh, on peut pas coloniser parce que le Congo? Oh, bon, on va attaquer le Congo, j'en ai rien à foutre. Ok, on va annexer le Congo. Hein. Attendez, regardez l'argent. Dans 5 jours. Comment ça, 32 000? Attends. J'étais à 57 000, comment ça, 32 000? Pacte diplomatique. Mais non, mais faut arrêter là, en fait. Bah. Attends, mais le jeu m'a dit de la merde. Financer. Bah non, je finance plus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah non, c'était l'autre financé. Oh putain, c'est jusqu'à quand? Ah non, attends, c'est là. Ok, c'est le 16 mars, j'ai rien dit. Ok. Bon, le Congo. De l'Olympiakos, c'est la 115e. Putain.
C'est les Grecs, tout à fait. C'est l'Olympiakos, le Pirée. C'est du foot. Mais du coup, on n'arrive pas à avancer sur les Bougandas. Non mais... J'ai vraiment une armée nulle à chier, c'est terrible. Et ça me détruit vraiment de pas pouvoir coloniser ici. Quel est ton parti de gauche préféré versus ultra hardcore, la Grèce? Oh, putain, j'avoue. Alors ça dépend, parce que Syriza... il y a Synaspismos, le courant Synaspismos, le KKE à côté. L'argent, 322 000 balles par mois. Let's go. Ah, par contre, ah d'accord, on se fait carrément envahir donc. D'accord. Parce que les mecs ont décidé d'être 13. Ok. Ah, pas jugé. J'avais mes 27 qui venaient d'arriver, ils sont repartis au Brésil. C'est vrai. C'est vrai, Yatchakov, j'avais zappé. Et il y a aussi, merde, comment ils s'appellent? Ceux de Zoé... Andropoulou, là, je sais pas quoi. Ah, c'est ça, non? De la liberté, ouais, c'est possible. Zoé, voilà, c'est ça. Bon. Donc on s'est roulé dessus par l'Ouganda. On peut toujours casser du Christiavgui, toujours. L'aube ne sera pas dorée. Clairement pas. Les Sundays ne sont pas de gauche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va dire que c'est pas la même que nous, mais... Je relisais cet après-midi, le discours des deux méthodes. Relis-le. Après, on peut considérer qu'on est pur et qu'on, quand on fait 3%, hein, c'est bien, on a raison, mais on change la vie de personne, quoi. C'est... Voilà. Hein. Par exemple, le POSDR. Voilà. Un pièce pas à gauche, j'en ai fait. Aïe. Et alors après, c'est peut-être pas la même définition en Amérique du Nord que chez nous, mais... on peut dire que c'est pas la même gauche qu'on a, etc., etc. Ils sont pas deux gauches. Perso, j'ai pas le tampon estampillé, ou j'ai pas la boîte, tu sais. J'ai pas la boîte gauche-droite, machin. Si on parle des sociolibéraux, c'est encore autre chose. Sociodémocrates. Au bout d'un moment, au lieu de les insulter, il vaudrait peut-être mieux qu'on les convainque. Parce que sinon, on va pas s'étonner qu'ils votent jamais pour nous. Mais putain, mais on sait même prendre la Somalie, en fait. D'accord. Non, mais dégueulasse. On est en train de perdre contre l'Ouganda. C'est LTF a raison, LO et social traite. Ah non mais c'est ça, il y en a toujours qui, voilà. Il y en a qui pensent que Trudeau est de gauche. Chez vous? Ah ouais? Ah ouais. Ah mais ceux-là ils sont matrixés par contre. Hein. C'est... Bah après en général ceux qui disent ça c'est souvent des gens d'extrême droite, non? Parce que tout ce qui est à la gauche de Marine Le Pen, pour eux c'est des gauchistes j'imagine. Il y a bien des gens qui disaient que Macron était de gauche donc... D'accord, donc on perd contre l'Ouganda. Ah non, mais vraiment, on termine la game d'une manière absolument incroyable. Alors qu'une révolution au Darfour. Commencez pas, les gars, ça a mal tourné pour vous, je pense.
Essayez de garder un endroit assez stable, parce que là... Ah, attendez, on le récupère... Ah putain, attendez, on occupe la capitale. Alors peut-être, le clutch. Le clutch. Ah, et bah voilà, le Freedom Convoy, oui, c'est ça. C'est ça. Il n'est plus gauchiste, mais wokiste. Ah oui, pardon, c'est vrai, il faut dire wokiste maintenant, c'est vrai. Bah voilà, on a gagné. J'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté. Par contre, ce dont je doute, c'est de la capacité du Congo. C'était 5, 12, 6, 18, 19, 20, 21. On peut prendre les 4. On peut peut-être prendre les 4. Oui, c'est ça, islamo-wokisme, ouais. Dis-moi que personne ne va les aider. Ok, personne ne les aide. On va tester. Je sais pas combien de soldats ils ont par contre. Huit. Ok. Ça devrait aller. Allez. Tout à fait, Jacob a raison. La voix de la raison, ce Yotchakov. Alors là, on est à 8. Là, on passe ici. Si je rajoute... Ça. Ok. N'exagérons pas. Oui, pardon, pardon, pardon. Je me suis laissé emporter. Ils sont très inquiets. Ouais, ouais, ouais. Bah attends, mais faites pas les cons. 7 et 5, 12. Ok, ça passe. Non, pas ça. On est à 24. Nick. Tant pis, on est à 33. Avec ça, normalement, on annexe le Congo. Non, vous êtes pour, oui, c'est vrai. Ah yes, laisse-moi deviner, Bambouiteur. Collectif Nemesis. Elles sont hyper, hyper actives. C'est en gros, pour expliquer pour ceux qui connaissent pas, c'est des pseudo-féministes qui ne dénoncent les attaques faites aux femmes que quand elles sont faites par des immigrés. Si c'est un blanc qui a fait quelque chose, enfin même un français, au sens plus strict, elles s'en foutent. Allez, le Congo, tu tombes et derrière on colonise et on n'en parle plus. Poète, 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 poète. Bien sûr, il faudra pas que l'IA soit conne. Et il faudra pas que l'IA colonise ici. Hein, faudra coloniser là. Voilà. L'objectif, je le rappelle, c'est de relier les deux océans. Et on fait un grand canal, ça prend 200 ans à construire, mais au moins c'est fait, quoi. Léonie de Bellet. Ah, je l'ai pas là, je suis pas assez là-dedans, j'avoue. Olympiaco, champion d'Europe, putain, GG à eux. Bien joué. Hyacinthe Excellence, d'accord. Attends, quoi? Ah, le communisme sénégal, d'accord.
Bon, il y a encore des rébellions. Non, mais les Garibéniaux et les Guaranis, qu'est-ce qui leur arrive en fait là? Pourquoi ils se révoltent tous d'un coup? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est fou ça quand même. Ah ouais, Garibéniaux fait sécession. Oh, c'est Haïti. Et là, on va voir les Guaranis. Ouais, mais enfin, le nom me dit quelque chose, mais après, alors, je sais pas pour cet exemple-là précisément, peut-être que je dis une connerie, hein, mais faut faire gaffe parce qu'il y en a certaines qui sont... Enfin, en gros, tu choisis pas tes soutiens, quoi, des fois, tu vois. Mais elle, il me semble qu'il y a quand même, c'est quand même, il y a quand même des problèmes, mais... De manière générale... Voilà, je sais qu'il y a des gens que moi j'aime bien. Ils sont soutenus des fois par d'autres et ça me fait tellement chier et ils essaient de s'en dissocier, hein, mais... Compliqué, quoi. Bah, c'est compliqué. Et en fait, l'extrême droite, là où ils sont forts, c'est que... Bah, je rappelle quand même toujours qu'en 2011, pour les cantonales, ils ont osé sortir une affiche Jean Jaurès aurait voté Front National, tu vois. Bon, voilà. Et je garde problématique son discours. Ok, non mais j'ai pas... cet exemple-là, je connais pas plus que ça pour le coup, mais... Ils ont fonds de commerce. Ok, non mais je... Ça marche. Et bonsoir Fanch, comment vas-tu? Moi là, c'est 4 biens à payer pour laquelle elle a été créée exactement. Pas les Italiens, là. Ok. Bon, le Congo est conquis. Putain, l'IA, regardez. Ils font ça. J'en peux plus. J'en peux plus, en fait. On va pas réussir à se relier parce que l'IA est bête. Bon, alors l'avantage, c'est que les Anglais... Ah non, c'est bon. On repasse à l'offensive ici. Allez, les petits. On y croit. Allez. Ouais, peut mieux faire, mais admettons. Oui, non, tout à fait, c'est une question de point de vue de base, j'entends, mais si au-delà de ce point de vue-là, si elle a viré dans un certain camp pour en faire un fonds de commerce, c'est en effet un problème. Au-delà de ce point de vue-là, où, bon, pour le coup, moi, je suis assez partagé, mais bon, j'ai pas grand-chose à en dire, quoi, mais... Enfin, de par ma place, mais... Mais je suis... Voilà. Partagé, on va dire. Oh putain, ils repartent à gauche. À l'aide. Ici. Là. Allez, il nous reste un an de game. Putain, il nous reste un an de game. Je veux juste pouvoir relier et établir une administration coloniale. Ce sera ma dernière action dans cette game, s'il te plaît, le jeu. Donne-moi ça, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je suis pas croyant. Si vous êtes croyant dans le chat ou sur YouTube, priez tous les dieux du monde possible et imaginable. On a besoin d'aide. Attends, merde, les Guaranis, ils sont où? Ils sont là. Bah c'est bon, je les ai déjà envoyés là, oui. Ok. Après, du coup, n'en faisons pas la pub. C'est mieux de pas en parler, du coup. Enfin, pas de pas en parler, s'il faut en parler, mais... Non, pas ses références, etc. Ni celle d'Ecladus, d'ailleurs. Oh, Ecladus, bonjour, comment vas-tu? Ça top 1 et écoute, ça top 10, là. Ah, c'est déjà bien, on est remonté. Grâce à la fin de la banqueroute. Allez, est-ce qu'on va réussir? 8 mois. Encore 8 mois de jeu. Allez, oui. Oh putain, ça va peut-être le faire. Si l'IA est pas trop conne, ça va le faire. Oh putain, l'IA est conne.
Oui, les Guarani, oui. Allez. Antibiotiques, oui. Oui, bah, de toute façon, en faire des antibiotiques, dans 70 ans, il y aura plein d'antivax partout. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de même découvrir les antibiotiques? Est-ce qu'on le mérite? Je ne sais pas. Un jour. C'est bon. C'est bon. Ça va le faire. On va avoir relié les deux océans. Maintenant, il faut juste faire un grand canal. Bon, un immense canal. Mais... Oui. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, une carte, c'est beau, une carte bien dessinée comme ça. Voilà. Juste à découvrir que la chloroquine était ok. Allez, on établit une administration coloniale. Paf. Voilà, le Bas-Congo est devenu une administration coloniale à lui tout seul. Voilà, au moins c'est joli, c'est relié, c'est propre. Bas-Congo qui est donc dirigé par le président Antonio Frontin. Frontin, je sais pas comment on dit. Alors, attends. Alors, soit une administration à charte. C'est-à-dire que ces lois seront conçues autour du commerce des entreprises privées. Soit. Ah, soit on envoie moult Brésiliens. Ah oui. Ou le fouet, l'exploitation impitoyable, etc., etc. Bon. Ça, c'est la technique belge, on appelle ça. Vas-y, on va envoyer plein de Brésiliens. Bon, alors, il reste 3 mois de colonisation. Enfin, 6 mois, mais ça va pas être énorme. Attendez, on va doubler le truc. Ah, je peux pas. Merde. Tant pis. Franchine, si tu prononces à la brésilienne. C'est Franchine, on dit? Ah, ça a changé. C'est Pedro Pinto. Du coup, c'est plus Franchine. Il est resté 2 jours. Le temps de monter le drapeau et c'est tout. Une bonne cuvée. Allez, plus de prestige. Oh putain, on passe. Oh, on est remonté top 8. C'est bon. La banqueroute est derrière nous, les amis. Allez, moins de 6 mois de jeu. Il colonise un peu le Brésilien Congo là ou pas? Faut coloniser Michel. Et puis on a zéro Brésilien qui arrive hein, pour l'instant. Super. Ah, c'est bon. Il colonise. Yes. Poète, poète, poète. Cette petite musique légère là. Baisse tes impôts. Ah oui, tiens, bien vu. Allez, les impôts sont réduits au minimum. Les salaires sont remis à la normale. Voilà, c'est bon. On ne construit plus rien, on s'en fout, on regarde juste la carte qui se colorie toute seule. En gros. Et pourquoi je peux pas recoloniser Pourquoi c'est bloqué ici? C'est instable. Oui, mais alors? Quel est le sujet? Quel est le problème? Allez, 4 mois. Le communisme en Grande-Bretagne? OMG. Horacio Elcho. Ah, qui va peut-être perdre, hein. Ah, c'est dommage, c'est arrivé tard, parce que là j'aurais pu peut-être attaquer pour reprendre la Guyane. Dommage. Les impôts, on n'est pas communiste. Mais non, nous c'est le bonheur du peuple avant tout. Bon, bah très bien. Très bien, très bien. Bon, bah une game comme ci, comme ça, où on aura vraiment eu d'énormes problèmes d'argent.
tout le long. Mais on a été un peu sauvés grâce aux colonies quand même. Par contre, c'est énorme, les Anglais là, c'est terrible. C'était pas le, c'est pas l'Allemagne, Yotchakov? Il me semblait que c'était. Ok, je croyais que c'était l'Allemagne, tu vois. Je crois bien. Je veux pas dire que t'as tort, mais je suis pas sûr que t'aies raison. Allez. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Alors attendez, petit point avant la fin sur les cultures. Sur les potentiels dingueries. Ah, les Français se sont étendus au Congo. Du coup, c'est nous qui l'avons pris, ça, au final. Il y a des Yéménites, du coup. Ah putain, mais oui, on fait venir nos Yéménites. Ah non, enfin, il y en a zéro, mais on sent qu'ils vont arriver, là. Qu'est-ce qu'on a? Toujours les Australiens, ici au Mali. Les Français sont également ici en Mauritanie. Pas d'autres dingueries par là. Culture en Gibraltar, apparemment, il n'y en a pas. Maghrébins en premier, l'Espagnol et les Chinois ensuite, ok. Là, qu'est-ce qu'on a? En Savoie, c'est des Français majoritairement. Qu'est-ce que... D'accord. Donc des Indiens en Irlande. Et en Écosse. Ah ouais, mais... Ah oui, toute l'Irlande en fait est indienne, c'est juste pas les mêmes cultures indiennes, mais c'est tous des Indiens ou presque, à part en Irlande du Nord. As-tu vu les nouvelles du projet César de Paradox? Non, j'ai pas vu dernièrement là. Donc les Ashkenaz ici. Ah, les Lituaniens par contre, on sont un peu plus au sud, ils sont en Prusse orientale, ok? Est-ce qu'on a toujours les Turcs ici? Oui, on a toujours les Turcs en Nouvelle-Zélande, c'est dingue quand même. Ah, des Philippins ici, tiens. Ok, bon là, il n'y a pas de dinguerie. Corée, ouais. Les Ouïghours. Et donc en Afrique. Punjabi ici, ouais, ok. Bon, il n'y a pas plus de dinguerie du coup. Les Kurdes en Australie? Mais non. Ah oui, j'avais pas vu. Alors, c'est les Kurdes, puis les Tatars. Les Pendjabis, les Aborigènes sont juste là. Les Rajputs, les Philippins, les Aborigènes aussi ici. Ah oui, j'avais pas vu les Kurdes. Putain, c'est drôle. Alors, les Brésiliens, tiens, on est là aussi. Donc, c'est toujours les Roumains qui sont majoritaires au Panama. Les Herero en Bolivar. Brésiliens. Ah, les Brésiliens s'étendent quand même vachement ici en Argentine. Toujours des Mayas ici, les Bantous fluviaux sont présents, très très présents. Bantous équatoriaux aussi. Mandé. Ok. J'annonce un conflit entre Kurdes et Turcs en Nouvelle-Calédonie. Putain, j'avoue. Putain, les Kurdes à côté des Turcs, j'avoue. Bataille entre l'Espagne et les Zoulous à Gibraltar. Alors. Alors. Comment dire? Ah mais incroyable, le Darfour colonise. J'avais même pas fait gaffe. Ouais, pourquoi pas, hein. Et donc, ce qu'on peut quand même dire, c'est que là, dans cette game... Très très peu de colonisation européenne. Regardez ici, c'est encore des pays indépendants, ou presque. Le Sokoto est énorme. Ici en Algérie, les Français n'ont pas avancé du tout. L'Éthiopie, bon, elle s'est unifiée ou presque, voilà. C'est la conquista Zoulou, ouais. Ouais, globalement, on a une Europe qui n'est pas très très colonisatrice. Et nous, bah, on a pris le Portugal, et ça fait plaisir. C'était un des objectifs de la game. Donc c'est très bien. Allez, c'est terminé. Fin de la partie, mesdames et messieurs. Le tableau de fin. Alors, nous avons une population majoritairement d'ouvriers, puis de paysans, puis d'esclaves, qu'on a quand même, qui ont été remis en esclavage il y a même pas 10 ans.
Niveau des forces politiques, ce sont les capitalistes qui avaient les principales. Oh, c'est terrible. 40% de la force politique, c'est les capitalistes. Ok. Culture principale. Les Brésiliens, les Afro-Brésiliens. Ok. Les Vénézuéliens, ensuite. En termes de force politique, donc c'est le même ordre. Niveau de la population est dans sa plus grande part athée. En termes de force politique, ça représente 93%. Incroyable. Le PIB a augmenté, le niveau de vie a vite fait augmenté. Oui, c'est fou. Le prestige, bon, grâce à suite à la banqueroute, on est bien remonté en tout cas. Et du coup, on finit top combien ? On finit top 7 et c'est notre meilleur, notre meilleur score dans la game. On n'a jamais été plus haut que top 7. Franchement, ça va. On s'en sort pas si mal. Pof, allez, on quitte la partie. YouTube, on va couper la VOD là-dessus. J'espère que ça a plu, en tout cas. Ce petit let's play sur le Brésil. Le Brésil au début esclavagiste, puis qu'il n'était plus, puis qu'il est redevenu. C'est toujours mieux. Top 7, c'est toujours mieux que quand on joue à PUBG, exactement. Le prochain défi, ce sera donc sur CK3. Ce sera un défi où il faudra préparer ses brassards. Je n'en dis pas plus. Ce sera normalement la semaine prochaine. Sur YouTube et dès ce week-end, donc le week-end du 2 juin, sur Twitch. Bisous YouTube, à bientôt.